Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon co-animateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Toujours un privilège de pouvoir sonder les Écritures avec toi. T'es un passionné. Ça fait une couple d'années? Ça fait combien d'années que tu lis les Écritures puis que, oh boy, que tu sondes Dieu? Bien, j'essaie de lire, passer au travers de toutes les Écritures d'une façon méthodique à chaque année, sans compter d'autres petites études à gauche, à droite, mais je le lis depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, et j'en ai un petit peu plus que 50. Donc, pour toi, participer à l'émission La Parole Vivante, c'est quelque chose qui t'attire, parce que justement, on parle de quelque chose qui nous passionne. C'est un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu, parce que, comme c'est dit, l'émission le dit, c'est la parole de Dieu est vivante. Tu vas lire des choses juste au mois d'avril dernier, j'étais en train d'enseigner à mon église un passage de la parole de Dieu et je me suis enseigné à moi-même d'une façon assez vibrante. La parole de Dieu, un texte que j'avais lu plusieurs fois, venait s'appliquer à ce que je vivais d'une façon extraordinaire. Et c'est ça, la Bible. C'est ça, la parole de Dieu. Elle est vivante, tranchante, toujours... Elle nous transforme. Elle nous transforme toujours à jour, bref. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si la parole de Dieu n'était pas dans ma vie. Elle a tout transformé, elle a tout changé. Et aujourd'hui, et c'est pas juste pour nous autres, c'est bon pour n'importe qui se met le nez dedans puis qui dit « Seigneur, parle-moi ». Dieu se révèle au travers de sa parole parce que c'est sa parole. Exactement, puis on va encourager justement nos auditeurs à faire la même chose, à regarder pour vous-même dans la parole de Dieu et laisser Dieu vous parler. Mais là, ce matin, aujourd'hui, ça dépend, peut-être ce soir, ça dépend quand est-ce que les gens écoutent, on va regarder une histoire qu'on a déjà commencée, c'est dans Luc 15, et c'est une histoire hyper connue, l'histoire du fils prodigue. Et l'histoire du fils prodigue, c'est pas une histoire qui a vraiment existé, c'est une illustration, c'est une parabole. Parle-nous un peu, c'est quoi une parabole, Martin? Une parabole, c'est simplement une histoire fictive, plausible. C'est pas une histoire, c'est pas une histoire de super-héros, là, Marvel. Non, non, ça, on sait tous que c'est de la fiction. Tandis qu'une parabole, c'est une histoire qui est plausible, mais qui n'est jamais vraiment arrivée. C'est que Jésus veut enseigner un point principal, parfois d'autres sous-points aussi, et il nous donne une histoire. Il donne une histoire aux gens de l'époque que tout le monde pouvait facilement s'identifier, comprendre. Pour nous, des fois, certaines paraboles ont fait dans notre contexte, ça peut être un peu plus dur à comprendre, mais dans leurs autres, Jésus utilisait quelque chose que tout le monde comprenait. Et ici, c'est un père avec deux fils. Donc, c'est facile à comprendre. On a tous été enfants et on n'est pas tous parents, mais on comprend la dynamique. Et ici, il veut répondre ou adresser une certaine situation. Et la situation se trouve au chapitre 15, mais la parabole, c'est la troisième. Exactement. Et je pense que c'est bon de répéter qu'est-ce qui a donné lieu à cette parabole. Pourquoi Jésus a décidé de nous donner cette histoire-là inventée, mais très, très plausible? Et je crois qu'on devrait peut-être relire les versets 1 et 2. Absolument. Alors que Jésus, c'est une histoire qui relate ce qui se passait avec Jésus. Ça dit « tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs », je crois que dans ta version, c'est... C'est gens de mauvaise vie. Je pense, j'aime mieux, je pense que nos deux versions ensemble, ça se complète bien. Parfait. Donc, tous les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ça, c'est ce qui a donné lieu. Malheureusement, c'est écrit « mais », les pharisiens, les spécialistes de la loi, bref, les leaders religieux de l'époque, murmurait. Ça chiolait. En bon québécois. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Encore? Ben voyons donc! Il est en train de tout déstabiliser. Qu'est-ce qu'on fait depuis des centaines d'années, des milliers d'années? Hey, il n'y a pas rapport, lui. Ce qu'il disait, c'était pas beau. Là. En fait, il était surpris. Il dit, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Et je vois le point d'interrogation au-dessus de leur tête. Pourquoi il fait ça? Ça se fait pas. Il va se faire corrompre. C'était aussi saint que tu dis que t'es saint, mon Jésus. Tu fais pas ça. Pourquoi tu te colles sur des pécheurs? Ça n'a pas rapport. Et eux, les pharisiens, les scribes, eux se voyaient au-dessus des pécheurs. Ben oui, il était bon. Et eux étaient bons. Bien, on connaît le pharisien qui est sur le coin de la rue puis qui se met à prier. Puis lui, il dit justement, il regarde le publicain, un homme de mauvaise vie. Il dit, hey, merci que je ne suis pas comme lui. Ah oui. Fait que les pharisiens, on lit ça, ils regardaient ça puis ils disaient, ouf. Là, ils ne comprennent pas puis ils sont contre. Ben oui, c'est sûr, c'est des pêcheurs. Eux autres, ils n'ont pas accès au temple. Si on pouvait s'en débarrasser, ils le feraient. Et là, Jésus, il dit. Ça me fait penser, Simon. Jésus, à un moment donné, dans un autre texte, il va dire, c'est qui a besoin de voir un médecin? Ceux qui se portent bien.
c'est une question de rhétorique, stupide dans un sens. C'est ceux qui sont malades. Et Jésus va exactement le dire. Puis c'est pour ça, je suis venu pour les gens qui ont des problèmes dans la vie, qui vivent pas bien. Puis là, il va donner deux paraboles, puis il arrive à cette fameuse parabole qu'on connaît sous le titre... Le fils prodigue. Le fils prodigue. Juste avant qu'on rentre, Jésus aimait remettre en question les enseignements que les hommes avaient établis comme la vérité. Il aimait venir shaker, je vais dire en bon québécois, les fondements de leur religion en voulant dire, mais ça n'a pas rapport, le royaume de Dieu n'a pas rapport avec ça. Le royaume de Dieu, voici ce que c'est. Et ici, il va le montrer en la parabole du fils prodigue, trois personnes. Le fils qui n'a pas fait de bon. Ouais, il y a fils le fils cadet. Qui faisait, il était avec le père, lui, il faisait tout ce qu'il était supposé faire. Parfait. Puis il y a le père qui représente les trois groupes ici. Les pécheurs, ceux qui sont pas pires, puis Jésus. Alors, l'illustration ici nous met en valeur leur situation réelle. Chacune des personnes, des personnages, des personnes qui sont là dans l'histoire. Là. Exactement. Je vais lire versets 11 et 12. Oui. Puis après, on va aller en pause et on va discuter après la pause de ce que ce verset-là, c'est choquant, c'est gros. On y va, je le lis. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. C'est vraiment spécial. Le fils dit, « Papa, je veux mon héritage. » Qu'est-ce que ça voulait dire dans ce temps-là? C'est quoi la signification ici profonde? Pourquoi Jésus dit ça? Après la pause, on va justement découvrir ça. Restez avec nous. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour. Parlons du fils prodigue, de cette histoire-là qu'on connaît et probablement que plus, toutes nos auditoires l'ont déjà, nos auditeurs l'ont déjà entendu. Le nom est peut-être pas assez juste. Nommer l'histoire le fils prodigue. Bien, en fait, la question à se poser, qui a donné le titre de cette parabole-là, la parabole du fils prodigue? C'est-tu dans la Bible? La réponse, c'est je l'ai jamais vu. C'est pas là. Je l'ai déjà. Pardon, je l'ai déjà même demandé dans une église, puis les gens ont dit, mais c'est dans la Bible. Là, je les ai regardés avec un sourire, j'ai dit, ah oui, voulez-vous me le montrer? Mais l'histoire est dans la Bible. Oui, mais je crois que ce titre-là, qui n'est pas mauvais, puis regarde, tout le monde s'en souvient de l'histoire à cause de ce titre-là, mais je crois qu'un meilleur titre serait « Un homme avait deux fils ». Oui, parce que l'emphase de l'histoire n'est pas nécessairement le fils prodigue. Exactement. Je pense qu'il y a trois personnages, comme tu disais juste avant la pause, dans cette histoire-là. Il y a le fils cadet, qu'on appelle le prodigue, le fils aîné, qui n'est pas trop content, et le père dans cette histoire-là. Et même le titre. Tu demandes aux gens, prodigue, ça veut dire quoi? Et on a l'image dans la tête de quelqu'un qui s'en va, puis quelqu'un qui revient. Mm-hmm. On pense que c'est ça que ça veut dire. C'est ça l'histoire. Et je dois t'avouer que après avoir enseigné à mon église sur ce sujet-là, il y a une dame qui vient, qui m'approche. « Martin, ça veut dire quoi le mot prodigue? » Puis là, je me mets à réfléchir. « Ouais, mais prodigue, c'est le mot prodigué, donné. » Mais moi, dans ma tête, ça veut dire... Quelque chose de bon. Oui, quelqu'un qui revient. C'est ça. Mais c'est pas ça du tout. C'est la personne qui va puis qui dilapide les biens. C'est ce que le mot veut dire. Puis ça va très bien avec le premier. Donc, peut-être faire attention au titre. Donnons-lui un meilleur titre. Gardons dans la tête la parabole de l'homme qui avait deux fils. Puis regardons, comme on a dit, chacun des personnages de cette histoire-là. Donc? Un homme a deux fils, ça donne bien, hein? C'est pas mal ça qui est écrit. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui me revient, donne-moi mon héritage. » Puis le père, il donne. Pourquoi? C'est-tu grave, ça, demander à son père l'héritage? Je pense que... Ben, nous, on lit ça très rapidement. Bon, il voulait partir, il n'était pas content, puis il part. Je pense que si on pouvait être dans l'image de la société. Et même, je lisais un livre sur le sujet où ce que quelqu'un est allé demander à des gens au Moyen-Orient, dans ces pays-là,
qui vivent plus une culture différente, qui ressemble plus à la culture du Nouveau Testament que la nôtre. Et les commentaires qu'il recevait étaient... Il y en a un commentaire, il demande « Qu'est-ce qui se passerait si une personne, un fils demandait une telle chose? » La réponse qu'il y a eu, « Quelqu'un a déjà fait ça? » Ça se fait pas. Ça se fait pas? Il faut comprendre dans le temps, si ton père était forgeron, t'étais forgeron. Si t'étais boulanger, t'étais boulanger. Alors, de dire à ton père, je veux rien, tu sais, je veux mon héritage, ça en dit beaucoup sur sa relation avec son... Comment il voyait son père? Lui, là, dès leur jeune âge, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'école. T'apprenais très rapidement le métier de ton père. Mais ton père ne faisait pas juste te montrer le métier. Il te parlait de la vie, il te parlait des relations, il te parlait de politique, il te parlait peu importe de quoi. Mais ils passaient leur journée ensemble. Alors, quand le jeune dit, je m'en vais, je veux rien savoir, je veux plus ce que tu as à m'offrir. Le père, lui, il paraît mal sur un moyen terme, mon cher Martin. Parce que lui, quand il s'en retourne dans le village, là... C'est le sujet de discussion, disons. Ah, ça, c'est l'homme que son fils voit aucune valeur. Ce jeune homme-là a humilié son père. C'est bien pire que d'y avoir pris son argent. Puis il a rejeté tout... l'histoire familiale, toute sa culture, toutes ses racines. Il dit, j'en veux pas. Je m'affranchis du patriarcat de mon père, je m'affranchis des règles de ma famille, de tout l'héritage et de toute l'histoire, de tout le bagage. J'en veux pas. Je suis maintenant libre, je fais mon propre chemin. Exactement. Ce que tu dis là, je l'aime beaucoup parce que il croyait être beaucoup plus heureux par lui même. Et ça, c'est un point... Faisons une parenthèse, une petite application à chacune de nos vies. L'être humain veut tout le temps faire son propre chemin. Il ne veut pas suivre les directives de Dieu, les commandements de Dieu. Je vais être bien plus heureux à ma façon. C'est pas ça qu'elle va faire. Elle, dans le jardin, avec Dieu, c'est pas Adam et Ève. Alors, ils ont Adam et Ève, c'est parfait. Ils ont dit, on veut autre chose. Il y a quelque chose de plus. Oui. Là, Dieu, tu nous donnes un environnement extraordinaire, on a une relation extraordinaire, mais il me semble qu'il manque un peu de connaissance du bien ou du mal. C'est pas nouveau? Pas du tout. On le trouve en nous aussi. On le trouve partout. Suivre juste parce que c'est bon. Non, non, on veut être libre. Aujourd'hui, là, on veut être libre. On n'en veut pas de loi. On n'en veut pas personne. L'autorité, on n'en veut pas. C'est depuis le début de l'histoire de l'humanité. Là. Ça a toujours été ça. Puis on pense qu'on va être beaucoup mieux par nous-mêmes. Ah oui? On le sait comment faire. Puis on va être très, très heureux de cette façon-là. Ça me fait penser, mes enfants sont un peu plus vieux, sont adultes, sont jeunes adultes, là, ils parlent de partir de la maison. Ils oublient que... Tu sais, certains détails. Oui, la nourriture se fait tout seul, l'épicerie se fait tout seul, la vaisselle se fait tout seul, le lavage se fait tout seul. Les autres, ils pensent que ça va être vraiment plus facile. Oui, tu vas être libre. Mais il y a beaucoup de services à habiter chez papa et maman. Ici, c'est au-delà de ça. C'est « Papa, je veux rien savoir de toi. Je veux être libre, puis je veux faire mon propre chemin. » Puis demander l'héritage, il y a un autre détail que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il était quasiment en train de demander la mort de son père, parce que tu hérites de ton père... Quand il est mort. Quand il meurt. Et c'était la même chose à l'époque. Parce avant de mourir, tu n'as besoin de ton argent, là. Exactement. Donc, lui, il était littéralement en train de demander la mort de son père dans un certain sens. Y avait-tu la tête dans le nombril, rien qu'un peu? Je lis le verset 13, juste pour nous montrer jusqu'à quel point sa vie était centrée sur lui. Peu de jours après, donc il a reçu ça, il s'est détaché de son père. « Salut, père! » Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça avait tellement peu de valeur ce que son père lui a donné, je vais faire le party avec. Je vais faire une belle vie. Aucune valeur. Il n'a pas dit, je vais me refaire une vie. Non, non, je m'en vais vivre ma vie. Aujourd'hui, les gens disent YOLO. Si vous ne savez pas ce que c'est à la maison YOLO, c'est on vit juste une seule fois. Alors, allons-y à fond. C'est pas nouveau, hein? Non, ça n'a pas changé. Pas du tout. Et si tu me permets, avant qu'on aille à la pause, bien sûr. Il y a un petit détail qu'on n'a pas dit un mot, mais que moi, me frappe beaucoup, et surtout en tant que père. Oui. Le père leur partagea, alors c'est bien. Il ne semble pas avoir de résistance de la part du père. Bien qu'il n'est pas d'accord, mais à quelque part, il laisse son fils
libre de ses choix. Et Dieu est comme ça avec nous. Moi, j'aime voir Dieu comme un gentleman. Dieu ne va pas forcer le bras à quiconque. Il va laisser, il va lui dire c'est quoi qui est le mieux pour lui, mais il ne va jamais forcer quiconque. Tu veux partir loin de moi? Tu peux. C'est pas ça que le Père veut. Pas du tout. Mais le Père le permet parce que c'est ce que mon enfant veut. Et Dieu va faire ça avec chacun d'entre nous. Aïe, aïe. Ouais. Il y a beaucoup plus à dire et après la pause, on va en parler. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Justement, Marc-Cahill a pris les Écritures, a pris la Bible, puis a dressé le portrait de qui est Dieu, qui nous sommes. Et ce besoin-là d'être redevable, ce besoin-là de retourner à Dieu, ce besoin-là d'être une créature, et lui, le Créateur, donc nous, on est des sujets, il est le roi. Peut-être vous aimeriez comprendre pourquoi on est ici, où est-ce qu'on s'en va après la mort. On aimerait vous le donner tout à fait gratuitement parce que ce livre-là répond à ces questions-là. Donc, appelez-nous, écrivez-nous et dites-nous, j'aimerais avoir le livre que Simon nous offre et on vous l'envoie gratuitement. Après la pause, justement, on va regarder cette histoire-là qui crève le cœur d'un fils qui part parce que comme si son père, c'était pas assez. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Père d'enfant, on regarde ça, ça brise le cœur. Et c'est pas fini, non seulement il part, puis il commence à vivre une vie de débauche, À faire la fête. C'est... Je vais lire le verset 14 parce que ça va de mal en pis encore et encore. Mm-hmm. Lorsqu'il eut tout dépensé, parce que c'est ça qui arrive à un moment donné, quand tu vas tout seul, puis tu n'as plus de ressources, et là, il y a une grande famine qui survient dans ce pays-là, puis il commence à se trouver dans le besoin. Donc, je vais aller travailler. Ça va se mettre au service d'un des habitants du pays, puis qu'il l'envoie à travailler pour garder les pourceaux. Pour les Juifs, c'est intéressant parce que les porcs, c'est des animaux impurs, hein? Oui, c'est, disons que dans les jobs à faire, s'occuper des porcs... C'est pas la meilleure. Puis, ce que j'aime, c'est, verset 16, « Il aurait bien voulu se rassasier de ce que les porcs mangent. » Mais quand personne ne lui en donnait. Quand t'en es rendu à désirer de la nourriture pour cochons, ça va pas bien. Donc, lui, là, il n'y a plus de relation avec son père. Il n'y a plus cet endroit-là qui est la bonne place où ce que tu peux grandir, être épanoui. Puis... Stabilité. Il dit non, j'ai la place, j'ai humilié mon père, j'ai coupé tout ça, puis je suis allé tout dilapider, je suis allé vivre une vie qui était loin d'être honorable. Et là, je t'arrive là, au plus bas. Je peux même pas manger la bouffe des cochons. Tu peux pas être plus bas que ça. Fait que lui, là, en bon québécois, on dit il a pogné le fond du baril. Exactement. Puis on voit au verset 17, étant rentré dans lui-même. Donc, il est allé faire un petit examen de conscience. Un instant. Ma version dit il se mit à réfléchir. Voilà. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Il dit, attends un peu. Il pouvait probablement voir les pains oui, sur la table de son père. Ouais. Il dit, là, il y a une place que je peux aller, je le sais que je vais être bien traité. Donc, je vais me lever au verset 18, je vais aller vers mon père puis je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça vient juste mettre en lumière jusqu'à quel point ce qu'il a fait, c'était grave. Il sait qu'il est plus digne. Il sait qu'il est humilié. Il dit, je peux-tu juste être un de tes esclaves? Parce que serviteur ici, c'est peut-être pas ce qu'on a, c'est un de tes esclaves. Donc, il était prêt à se vendre gratuitement à son père juste pour pouvoir manger. Manger, exactement. Il est rendu beau, là. Comme tu l'as dit, il a touché le fond du baril. Et ça, c'est la repentance de ce jeune homme-là. Et dans mon livre, à moi, c'est une des belles histoires, des belles exemples de repentance. Il a décidé, à quelque part, que le bonheur, c'était par là. Puis arrivé
dans le bonheur qu'il pensait. Exactement. Et donnons-lui ce qui lui revient, le mérite. Il s'est mis à réfléchir. Il aurait probablement dû réfléchir avant. Oui. Mais au moins, là, il se met à réfléchir, à penser, à réaliser toutes les erreurs qu'il a commises. Il se repent. Il voit son erreur. Il est prêt à l'admettre. Il est prêt à dire qu'il riche. Retourner voir son père. Il faut savoir, son père, là, au minimum, a le droit de le battre et même de le tuer. Clairement. Dans cette culture-là. Fait qu'aller, lui, il ne sait pas comment son père va l'accueillir. Là. En fait, pouvais-tu s'imaginer même être accepté comme un des ouvriers? C'est pour ça qu'il dit, un esclave gratis, papa, ça te tente-tu? Je suis prêt, là. À quelque part, il espérait la grâce, la bonté. Il connaissait son père. Ouais. Et ça, c'est notre Dieu. Et parce que le fils, ici, représente les pécheurs. De notre histoire du verset 1, clairement. Il représente les pécheurs, les publicains, les gens de mauvaise vie, ceux qui ils ne peuvent rien d'eux autres même. Alors, on rentre en dedans de nous et on fait « faut que j'aille à Dieu ». J'ai pas de solution, je ne suis pas capable. Donc, les pécheurs s'en vont, on vit notre vie. Puis là, quand je dis pécheur, là, je parle de moi. Je vis ma vie en pensant que je peux faire mes propres lois. C'est moi qui vais déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la preuve, c'est que souvent, quand je parle aux gens, la plupart des gens trouvent que ce sont des bonnes personnes, selon leurs propres règles. Leurs standards. Et là, quand ils disent, on va prendre les standards de Dieu, là, ils viennent tous déstabiliser parce qu'eux se croyaient des bonnes personnes. On veut être affranchi de Dieu. On veut être affranchi de ses lois. On veut faire notre propre chose. Et ici, on voit, attends un peu, si tu réalises que la seule solution, c'est Dieu, c'est Jésus, tourne-toi vers lui, il va se passer quelque chose. Et tu sais, Simon, il y a des gens qui nous écoutent puis ils vont peut-être jamais s'identifier avec ce fils-là. Mais il y en a d'autres qui nous écoutent, je suis certain. Vous avez fait des erreurs, vous êtes en train de toucher le fond du baril, vous êtes peut-être même dans certaines dépendances qui vous rendent esclave. Et vous savez quoi? Jésus ne vous juge pas. Jésus n'approuve pas vos erreurs, mais Jésus, il veut justement que vous réalisiez tout comme... Peut-être identifiez-vous à ce fils-là et fait exactement ce qu'il est en train de faire dans notre histoire. Et c'est intéressant, quand on parle de repentance, de réaliser puis faire comme lui, la première parabole, versets 3 à 7, on parle d'une brebis perdue, on parle de repentance. Le dernier mot du verset 7, c'est le mot repentance. La deuxième, versets 8 à 10, ça parle encore de pécheurs qui se repent. Le message de Jésus, en fait de Jean-Baptiste, c'était un message de repentance. Jésus nous parle de repentance. Le message apostolique, le message que les apôtres prêchaient, c'était un message de repentance. C'est exactement ce qu'il leur dit dans Acte 2, quand Pierre prêche. Repentez-vous. Donc, réalise là, qu'avec Dieu, tu as un problème. Et ça, Dieu, là, il fait, quand tu réalises que tu as un problème et tu viens me voir, tu es le bienvenu. C'est c'est une des vérités profondes de l'illustration que Jésus est en train de donner. Dans toute la Bible, le pécheur repentant, Dieu est toujours prêt à l'accueillir. Et tantôt, dans une autre émission, tu nous parlais d'Adam et Ève, de Caïn et Abel. Quand ils ont fait des erreurs, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé les voir, il attendait juste qu'ils se repentent. Et Dieu, c'est le cœur de Dieu pour nous. Et c'est exactement le contraire des pharisiens et des scribes qui étaient religieux puis qui étaient l'élite. Eux autres mettent un fardeau qu'eux autres n'étaient même pas capables de porter. Et là, Jésus, tu fais comme non, vous êtes les bienvenus à Dieu. Peu importe qui vous êtes, les pires, les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les publicains, vous êtes les bienvenus. C'est pas parce que les pharisiens puis les scribes ne vous accueillent pas que moi, je ne vous accueille pas. Exactement. Avouez. C'est pas parce que vous, les religieux vous jugent puis vous voient de haut que moi, je vous traite de la même façon. Au contraire, venez, repentez-vous et venez à moi. Mais quelle invitation d'un Jésus qui aime le pécheur. Restez avec nous après la pause. On va justement terminer l'émission pour voir jusqu'à quel point il nous aime. Mais posez-vous la question. Est-ce que moi, je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous êtes prêts à le croire? Revenez-nous après la pause.
Très bonjour à vous. Avouez qu'on a une histoire qui est triste. Un homme qui dit à son père, je veux rien savoir de toi, donne-moi ton héritage, mon héritage, et je vais aller la dilapider, je veux faire le party, je veux... Puis à un moment donné, il réalise, il fait comme... Quand il arrive dans le fond du baril, il dit, je veux retourner à mon père, c'est la seule place, je suis bien. Comment on s'attend que le père va l'accueillir? Probablement, on va dire, hey, non, t'es un pécheur, puis t'es pas correct. Mais Jésus veut illustrer quelque chose dans cette histoire-là, le cœur du père. Alors, le jeune homme va revoir son père, et voici ce qu'il lui dit au verset 21. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Martin, verset 22, la réaction du père, c'est capoté. C'est extraordinaire. Bien, premièrement, il garoche le morceau et je pense que le verset 21 est clé. Oui, j'ai péché. Il montre sa repentance. Il montre qu'il... C'est pas juste des paroles, là. Non, regarde. Primo, il a eu le courage de revenir. Puis probablement qu'il faisait dur lorsqu'il est revenu. Là, il ne devait pas être aussi beau que quand il est parti. Et là, il arrive et jamais il aurait rêvé d'avoir ce qu'il va avoir. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-le-lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. » Probablement qu'il n'en avait plus parce qu'il était détruit. « Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Il y a de l'espoir pour le pécheur. Ah. Il y a de l'espoir parce que le cœur de Dieu aime le pécheur. Mais clairement, il n'aime pas le péché parce que c'est contre lui qu'on pêche. Et c'est Dieu n'est pas un Dieu bonasse. Au contraire, Jésus, quelque temps après ça, il est allé mourir sur une croix pour le pécheur. Jésus l'a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Pas juste être bonasse. Non. Nos péchés, il les a portés. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsqu'on est encore des pécheurs, donc incapables de faire rien comme cet nous, homme-là. Comme cet homme-là, Christ est mort pour nous. Alors, nous sommes les bienvenus quand on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on se tourne vers Jésus. Comme lui, c'est la seule solution. Cette histoire-là illustre à quel point Dieu accueille le pécheur repentant qui se tourne vers Jésus, qui dit « Sauve-moi ». Merci beaucoup, Martin. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous. Et réfléchissez à ça. On est en guerre contre Dieu et Dieu nous dit « Viens, soyez réconciliés avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse ».